I gotta be louder in my mic. When I was just a little. Actually, turn the mic down, because I had one can off. It's better if I have them both on, so put the mic where it was, actually. Just want to whisper it for get some levels, Johnny. When I was just a little boy, I asked my mommy, what would I be? Just try it. Okay, we'll give it a try. 1, 2, 1, 2. Vous y connaissez un peu, non? En serpent? Ouais, j'en ai un. Non. Il s'appelle Gaëtan. Vous vendez? Pardon? Vous le vendez? Le livre? Oui, non, c'est-à-dire que je le vends parce que je l'ai en double. Je l'ai... 60 francs. Ouais. Gaëtan. Parce que... Merde. Gaëtan. Un club sportif là-dedans. Formidable. Hé. Vite. Franchement. Ça aura de la gueule, mais... Bon, il faut que cette affaire doit être rentable. La banque ne peut pas commanditer à 100%. Pas à 100%, mais une fois qu'on aura 2000 adhérents, et c'est des sportifs, c'est ça des gens qui sont des sportifs. Ça sera différent. Bon, Jacques, il faut que je vous montre quelque chose encore. Gaëtan. Gaëtan. Parce que vous l'avez vu, que la moitié. Ouais, c'est pas le malin, Gaëtan. La moitié. Gaëtan, j'ai une surprise pour toi, Gaëtan. C'est déjà bien installé ici. Ah oui, bah ça, c'est les jeunes, hein, je les ai. Ils campent un petit peu. Plus tard, là, ça va être un ring. Ah, c'est pas mal. Un ring de boxe américaine. Ah, bah c'est bien. Bonne idée, très bonne idée. Et là, il y aura beaucoup de travaux. Comment? Mais. Comment? Comment vous allez le faire, ce ring? Ben là, on s'est mis dessous à cause de la lumière. Ah, bah d'accord. Hein? D'accord. Alors, tiens, je vous montre autre chose. Oui, là, une petite surprise. Laquelle? Là, avantage dehors, tennis. Ah, j'y avais pas pensé. Ah bah oui, non mais si on tâle sur une... Si on pense qu'il y a 500 élèves par école, s'il y en a une vingtaine par établissement, et ça fait boule de neige après. Oui, mais quand même. Salut. Bonjour, pas. T'as eu un accident? Je vous présente mon fils. Bonjour monsieur. Tu vois, de voir 5 minutes. Oui. Je vous donne un peu de blé là, je suis un peu emmerdé. Tu peux me passer 50 balles, genre? Ouais, écoute, t'es gentil, je te vois tout à l'heure, on redescend dans le jardin pour 5 minutes. Hein? Non, d'accord. D'accord. Pierre, vous auriez une seconde? Vous allez bien? Et vous-même? Ça va? Comment ça se passe alors, l'histoire, l'orchestre, tout ça, vous arrivez à... Ah ouais. Démarrer? Ouais, ça se fait pas tout de suite, quoi. Et Olivier? Comment ça se passe avec lui? Très bien. Avec Olivier, non, y a pas de problème, ça. Il travaille beaucoup tous les jours. Hein. Non, mais il est doué, en plus. Oui, mais ça, je sais bien, il est brillant, mais ça suffit pas. Il faut un peu que... Il travaille vraiment. Ouais. Ça me fait plaisir que vous soyez dans cette petite entreprise là, parce qu'il faut un responsable. Et je crois que le responsable, ça peut être vous, c'est-à-dire que... Je sais pas, s'il se passe quelque chose, vous me tenez au courant, okay, en bien ou en mal. Ok, ouais, non, vous faites pas de soucis, je les ai bien en main là. Ok, c'est comme ça qu'on... Ah, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Je vais passer. Mais tu peux passer derrière.
m'attends. Je finis dans 5 minutes. C'est quand même incroyable. Quoi? C'est incroyable quand même. Je pensais pas que ça allait arriver un jour. Hein? Pourquoi? Parce que t'es un grand. Parce qu'aujourd'hui je suis petit. Non, mais tu m'intimides. Aujourd'hui c'est toi qui m'intimides. Ça fait combien de temps? Moi j'avais 12 ans. T'avais 15 ans. Léo, regarde. Ouais. Non, qu'est-ce que tu veux? Hey, écoute, viens voir. J'ai un truc à te dire. J'ai toujours été un lâche. Non. J'ai jamais été un lâche dans l'âme. Bien qu'en fait, en réalité, j'ai toujours lâché pied. Tu comprends? Et puis ça. Mais attendez avant de rire. Donc, c'est mon petit frère, il fait plein de bêtises. Pierre? Salut. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bon. Dans ma maison, tu viendras. D'ailleurs, ça n'est pas ma maison. Attends, c'est ici. C'est où? Chez toi? Hein? C'est où? Bah ici. Tu te fous de ma gueule? Non. Alors ici, je vais faire la salle de jeu. Pour les enfants, on va tout mettre. Une balançoire, tu vois? Avec ping-pong, ici une piscine, une serre tropicale, baby-foot, jokari. Amusement d'hiver. Surtout bouge. Mais qu'est-ce que t'as? Faut pas bouger. Attends. Mona, je te présente Ricky. Faut pas avoir peur de Gaëtan, regarde-le. C'est mon ami Gaëtan. Avec moi, t'as rien à craindre. Tiens. Regarde comme il est gentil. Regarde, vas-y, touche-le. Regarde-le, il t'aime bien. En plus, ça te fait le genre physique qui lui plaît. Un petit côté musaraigne, là. Regarde comme il t'aime bien. Bah allez, continue la visite. Hein. Et voilà, c'est chez nous. T'es heureux, toi? Ça a marché? Pas du tout. Comment ça? T'es pas né d'un France ou... Hey, non, qu'est-ce que t'as fait comme ligne? Mona. Salut, Mona. C'est notre propriétaire. Tu parles propriétaire. Regarde ce qu'ils vont. Fascination, là. J'en parle même pas. Là, Elsa la révoltée, clandestine, tendre proie. Attends, écoute. Elle aurait aimé être seule, loin de tous, ne voir personne dans son regret de pavio. Tu te fous ma gueule, là. On se fout jamais de la gueule d'un mec qui a un gueule. Je me fous pas de ta gueule. Tu sais pas ce qu'il a dans la tête. Tu sais pas ce qu'il peut faire. Mais je me fous pas de ta gueule. Mais en plus, il faisait ça avec moi, tu vois, d'acheter des bouquins. Moi, si je vends des bouquins, je fais ça avec passion, tu vois, avec amour. J'aime les bouquins, que je vends. Avec tellement d'amour que tu vas perdre du fric. Non, mais attends. Mais ouais. Bon, j'assume, je suis un commerçant. Toi, alors, tu te prends pour... Moi, je suis pas un commerçant, je suis un artiste. T'es un grand artiste, un super grand artiste. Mais bon, en attendant, le groupe... Pas que t'es manager. Ouais, manager. C'est moi qui les manage. Au début, c'était moi qui devais chanter. Ah ouais. Non, sans blague. Tu m'as jamais entendu chanter. Hein? Et puis, en fait, j'ai pensé, Olivier, c'est mieux qu'il le fasse, lui. Parce qu'il joue la guitare, il chante et il chante en anglais. Ouais, c'est plus économique. C'est plus efficace, avec plus de thunes, toi, ça marche mieux en anglais, le rock. Non, ce qu'il y aura aussi, c'est que d'un point de vue strictement commercial... Qu'est-ce que Olivier, est-ce qu'il y a plus une...
une tête de chanteur que Pierre. Ah c'est... ouais. Tu trouves Oui, enfin non. Non, mon... Tu crois? Ouais, non, c'est vrai, non, c'est vrai. On fait ça pour le... Bah, pense au grand public. La France profonde. Et la France profonde est plus prête à recevoir Olivier que Pierre. Non. C'est notre première nuit de noces. C'est bizarre. Tu passes l'oreiller, s'il te plaît. Merci. Allez. Arrête! Non. Mona. Allez, on arrête. Tu la retires maintenant? Non, juste cette nuit. Juste comme ça. Bonne nuit. Je mens pas. Grève. Je t'ai attendu. Tout le temps. Non. Pourquoi? C'était prévu. Eh oui. Never leave again. You're a two-time loser, my darling. It's all over now. Guitar héros des années 70, symbole du rock'n'roll, gourou des Sex Pistols, Johnny Valentine a atterri pour nous. I was young. Toujours sur la lame du rasoir, perdant magnifique, junkie, loser et déglingué, Johnny Valentine, un drôle d'américain à Paris. Ça va ça? First of all, mais ce qu'on peut faire, you, mais de toute façon, you say there, Non, c'est juste un commentaire que j'ai écrit comme ça, on ne l'a pas enregistré. Okay. So, je crois qu'on peut revenir on the new image. Christopher. On va revenir dessus. We have to concentrate on the new image. Le plus important, je crois, maintenant, c'est de se mettre en place par rapport à ce qu'on a préparé là. So, you will cut this out, you will cut this out, you will concentrate on the new image. On peut revenir là-dessus après, c'est pas un problème. What? Be careful with your head. You remember Pierre? Holland, Apeldoorn, Amsterdam. Apple pie. Do you remember me? Okay, no? let's do this later. Let them start to work because we have to be really out here. You start and okay, we discuss things later. I remember him. Okay. Johnny, I know the chairman. Come on, Johnny.
Il a l'air bien, il va mieux là. Reverb. La pêche là. Hello. Is that okay for you? Reverb. On peut lui faire un essai là? Tu me balances un petit coup de son là? C'est pas possible de le faire comme ça. Il vaudrait mieux le faire en playback. Tu m'as entendu? Oui, attends, excuse-moi. Par rapport à la. Ça serait mieux de le faire en playback. Listen, we have to do in playback. We're sorry, it's yes. Oh, what do you think? Can I do it up there at least? Okay, so we. So the first shot I want from back here. Okay. Okay. Eric, tu vois, on va le prendre comme ça, là. Il veut démarrer de dos. Hein, on va essayer une fois quand même. On essaye. Very fair. Do you have something to make me look very young? I'm going to prepare, yes. But listen. Look, let's have two playback numbers. You okay. Arrange the kids, but he will fight for different numbers, so let's see what we can do. All right. Okay. Huh? Please. We get some, like, dim lights and stuff? Dim lights, fog? Something to kill, Hey, Johnny, make your choice. You do. So, instead of doing playback, I'll play a couple of new songs I got, okay? All right, you give me the choice. That's good. This one, I like it. This one's an opera. Okay. It's starting about... I'm writing an opera about the Holocaust. Let's go, do it. But I send the playback, okay? Not yet. I'll play live. Alright. In God's name, people act so strange. In God's name, this orange pain. Bless me, Father, for I have sinned. Je pensais avec Johnny s'il pouvait jouer avec un peu dans mon groupe. C'est possible? I don't know yet. We have some problems, but let me talk to Johnny. What do you propose? Tu lui mets un petit peu plus de retour aussi. Pour Johnny, ça peut être intéressant. Ah ouais? Si tu es sûr de toi. Hubert nous connaît de New York et il travaille avec nous pour deux concerts à New York. Okay. Il connaît toutes les spécifications techniques. Ok? Mm-hmm. So what I would say is, I have to go to New York for 1 week now. So next Thursday. Explique me French. Okay. What's French, please? Tu une semaine avec Johnny seul. Mm-hmm. Ouais. Et tu captes tout. Ok. Ça vient tout. Ouais. C'est l'hôtel. Je savais que de toute façon moi je m'occuperai de ça, t'inquiète pas. On verra ça ensemble tous les deux. Ça, logement, nourriture. You have to make an atmosphere which is all right for making concerts afterwards. Pour le mettre à l'aise. Pour qu'il soit bien, yes. No, if you don't get him in the right shape, you have no concert. Okay. For Paris, they want 10,000 guarantee, and after that, we want to have 50% of the profits. Ça c'est le salaire donc que Johnny demande. Hein? Ok, ça marche pour l'argent. Maintenant, toi, t'assures niveau fric. Si tu veux produire le concert, il faut que t'avances l'argent. C'est 40 000 francs par concert. Johnny, c'est pas une garantie pour toi déjà? Ah, il faut avancer l'argent. Pour combien? 40 000 francs par concert. Il y a 3 concerts. 40 000, comment? Bon, 40 000, ça inclut 12 000 pour la location de la salle, service d'ordre, bon, la promotion, et aussi tous les frais de voyage, hôtel, bouffe, ouais. Transport. Mmh. Il y aura un bus, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je m'occupe de tout. Hein. Bon, il y a juste un truc, c'est le... Pour la sono, ça faut voir avec Christopher. Hein. Pourquoi? Bon, c'est assez spécial, Johnny. C'est toujours assez spécial. Pardon. Mais juste pour essayer la robe, mais je peux la retirer. Quoi, j'ai envie de te voir, mais ça m'empêche. Non, moi j'ai envie de te voir. Ta robe, t'as fait trop plaisir, pas par terre, il faut l'imaginer. Enlève ta robe. Non,
bière, s'il te plaît. Non, à chaque fois, ça m'émeut, moi. Tu vois, tous ces souvenirs. Tous ces souvenirs. Tiens, ça. Rachel. Disparue. Ah ouais, mais tout elles m'ont laissé. Elles m'ont laissé un souvenir. Oh. Hop là. Pas. Non, c'est très bien. Très très bien. Ah, c'est le rouge. C'est le rouge qui te va pas. Dis donc, mon pote. Bah, si t'es sans doute pareil. Tu vas perdre ta cliente. Mais il faut que ça aille, Aldo. Il faut que ça aille, il faut que ça aille. Alors il faut que tu me la files encore une semaine. Je veux dire, mais. Travaille là, bosse. Tu vois, c'est un truc. Tu penses à ma copine. Comment elle s'appelle déjà ? Mona. Mona ! Viens. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Tango ! De toute façon, caissière, c'était pas pour toi. Hein. Ah, tu vois, là, t'es dans ton monde. Allez, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce naze, là ? Qu'est-ce que c'est que ce mec, là ? Tu l'as trouvé où, hein, au puce, hein ? Bah, laisse tomber. Hein. C'est une puce, hein, ça fait une puce. Hein. Ok. Tu veux un verre ? Non. Hein ? On a pas un petit verre ? Mona. Regarde-moi. Change pas. Hein? Reste comme ça. Ah, je tombe. Amona. C'est vrai que tu peux faire ton beurre tous les soirs, toi. C'est génial, enfin, pour toi. Si elle danse vraiment bien, elle gagnera beaucoup d'argent, parce que les danseurs seront très généreux. Et puis avec son charme, elle fera vite fortune. Et Mona, tu vois? Je crois pas que j'ai fait des progrès quand même. Non, c'est bien, c'est super. Hein?
black guy was walking down your street, right? A whole bunch of white guys jumped on him and punched him in the face. Would you help him? Didn't you swear I swear? I bet you're lying, motherfucker. Stick around, huh? Can you pop? Be there or be square, be there. Si. Moi, non, toujours pas. Bien sûr, on n'est pas question. Pas question là ? Non. Mmh. Quand tu vois un mec comme ça, tu l'oublies jamais. C'est une légende du rock'n'roll. J'ai envie de le serrer dans ses bras. Moi, ce qui m'intéresse chez ce type, c'est comment il se détruit, comment il détruit son organisme. C'est comment il se détruit, quoi. Ça t'intéresse ? Mais t'es malsain, quoi. Non, pas du tout. C'est malsain de penser comme ça. Regarde-moi. Je suis passé par là. Regarde. C'est un voyage au bout de l'enfer. Tu vois ? 9. On va jouer à la même chose. Ah, tiens. Fuck you. Eh, non. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est justement c'est ça. C'est quand tu frôles, tu frôles. Tu frôles ou tu frôles? Ah, dans le midi, tu frôles. Mais ici, tu frôles. Non, ici, tu frôles. C'est limite, tu vois, t'es au bord du précipice. Tu te rattrapes. Tu vois, c'est la roulette russe. Une bustière qui tonne. C'est la roulette russe. Ouais, non, c'est pas ça, c'est être au bord, juste à la limite de tomber, puis t'as un moment donné, et puis tu sais que t'as une limite à pas dépasser, et si tu la dépasses, tu tombes. Fucking French TV. Take it up from now. Okay, we changed it. Yeah, but if we make a certain thing, we should keep stick to it. Well, I wish we could. Don't you realize that? Yeah, of course. I'm ready. Oh, Andy Paul, take your fingers off. You got paid tonight. All right, yeah, trust Christopher. Trust Christopher, you're crazy. You're absolutely crazy. I mean, you've got a chance here, okay? Come on, I always trust you. Excuse me. Come on. You got some bad news? I got some bad news. We may be off working for about 2 or 3 weeks. Christopher, you gotta take care of that stuff. You can't let anybody else do that for you. Wait a second. We need a contact person in Europe to take care of that. You can't trust anybody to do anything. To get it done. Then we have to send an advancement. No, Mark was yours contact. But it's no problem. Yeah, okay? But you can't count on anybody to do that. I have some money here to cover you for the next days. That's not the point. You have to find a new deal with somebody. I don't care who it is, but find us a deal. And that's that, you know? That's all I can say. I mean, it's your business. I'm not gonna put myself out anymore and be treated like a chump. Chump? Tapio Ale? Comment? Tapio Ale. Ah, je comprends pas. Tiens, tu veux venir voir, hein? Je comprends rien du tout. Tapio Ale? Pepe Ale? Papio. No. Again, Lucky Strikes, no filter. Merci. C'est des buildings là-bas à New York. On a des trucs maintenant, nous, à la Défense. C'est terrible, très grande maison. Do you know Paris? This is my first time here. Oui, mais what do you think of Paris? Seems pretty safe. Hein? Seems pretty safe. Safe. Ah là, c'est marrant, parce que là, The Street Corner, là. Ferronnerie Street.
The King Henry IV is murdered by Ravaillac, un assassin français, un des plus grands assassins. Et le Ravaillac, tenez-vous bien, is pulled apart. Hein. Oh, mal. Il était de, moi je rigole parce que je suis. Il était d'Angoulême, Ravaillac, vous ne connaissez pas. Ah ouais. Ah, oh, c'est horrible. Paris is very dangerous city. Si, 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 si. You know wine? No? Oui, milk. I was healthy. Cheers. And Johnny is happy to play with my group? Of course not. Basically, he's a solo player. Au départ, il est seul. Il jette le groupe. He will only tolerate, you know, if you're up to his level, but it's very tough. Il ne tolère que les gens qui s'élèvent à son niveau. Tu vois? C'est-à-dire que sinon, il nous jette, quoi. Bah, c'est à vous d'assurer, alors. That's what you have to survive, if you want to survive the whole concert. If he accepts to play with you, it's all right, but you must be aware of what is involved. Même si, tu vois, s'il accepte de jouer avec nous, mais au moins, on est bien au courant de ce qui risque de se passer, quoi. Ah, mais pour une semaine, ça. Problème. Et puis même, bon, c'est pour lui qu'on le fait. Johnny, an urban shaman. Johnny est un chaman. De la ville. Urbain, de la ville. But that's what you have to understand. He has a great sense of responsibility, too. J'ai beaucoup de responsabilité. Non, lui, non. Johnny. Non, on parle pas de, non, on parle de Johnny. Johnny a beaucoup, un grand sens de ses responsabilités. De, ouais. De so, in a sense, he is tough with you, but he will not be vicious. Il sera dur. Il sera dur avec toi, mais il sera pas mauvais, il sera pas vicieux. Non, il est mauvais, mais n'a pas vicieux. I think oui. that's ouais, dur, okay. tough, dur. Exigeant. C'est ça. Il demande beaucoup, mais en même temps, il va pas faire trop de vis. Here, yeah. Up here, and then you know, jump down. I have the cross, and have the cross, you know. He's wrong. I mean, this is 2 feet, you know. This is not 20 feet. Wait, you want to the cross? I don't want 20 feet. Okay, so avec la guitar, no, wait, all right. Yeah, but I had my bad friends who wanted to build him a 20-foot platform because they all wanted him to jump into death. Right? So this was the concert, you know, Johnny jumping off a 20-foot platform. This is terrible. Yes, like, no, come on, you don't like the yak shit? Can I have some? It's harmless, it's harmless, it's totally legal. Napoleon snorted 1 kilo of this a year. You know, that's why he made so many wars. Napoleon, il sniffait 1 kilo de ça par an? Josephine even did it, you know? come on, have something for come on. Chin. Chinois. Where's your chin? Okay. Where's your chin? Santé. Nazdarovye. 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 Okay, Kampai. Salut. Salut. What else we got, Christopher? Prosit. 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 Well, let's not forget I'm from East Germany, okay? How can we forget? est-ce qu'il est content? Est-ce que... Mais... Ça va être bien pour lui de jouer avec nous dans le groupe. Johnny, you think it's gonna be a good concert with Listen, us? Listen, I just tell you, I, being an honorable person that I am, maybe I was involved in taking different narcotics and stuff, but there's two kinds of people that take narcotics. You know, there are junkies that have junkie mentalities, and there are people that take drugs. Okay, but... Every time I've done tours in France, nothing is ever together. It's very important. Chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer en France, rien n'allait au niveau du matos. Everything we do in France, you must try to control the situation. This time, it's gonna be all right. You don't have to. Yeah, but if it's not all right, ten paces, no. Turn and fire. Explain. Explain the duel. No, I don't understand. A duel. It's an old French habit. It's a 19th century French habit. You're French and you don't know what a duel is? Yeah, it's okay. What? No, calme, mais qui lui il reste calme. If not, I can. If not, fuck anyhow, your girlfriend. C'est, il demande si c'est ta bonne amie. Oui. You don't. Si tu me traduis pas ce qu'il dit là. C'est ça que j'ai compris. Non. C'est ça que j'ai compris. Dis-moi ce qu'il dit. Moi j'ai compris, il m'a dit. Ah, il va voir si c'est ta bonne amie. Oui. Are you a gentleman? Are you a gentleman? C'est ma sœur. It's my sister. If you don't have three fenders. And the right PA, I get to fuck your sister? Là, je crois qu'il en veut. If he's a real gentleman, okay, he'll have okay, the door. Okay, understand. Oh, he will have the C'est très simple. L'alternative est la suivante. Soit tu lui trouves les amplis qu'il lui faut,
c'est-à-dire trois Twin Reverb Fender. Ouais. Tu vois ce que c'est? Enfin, ouais, justement, ouais. Je te dis. Et toute la sono qu'il lui faut, soit... Non, non, mais non, sérieux. Soit tu lui passes ta sœur. Mona? This is you. You're the boss. You're the boss. Listen to me, please. It's a wife, très méchante. You're a special girl. I'm a special girl. Say it with some same. With say it with some feeling. You know, like I'm a special girl. Pas vraiment comme ça. Well, you know, the sexy, you know, special. Mais c'est pas special dans ce sens-là, je crois. Yeah, I mean, you're acting like that. Can I have a pack of Marlboro, you know? I say I'm a special girl. I am a special girl. I am a special girl. Okay. Okay? Nous parlons des langues différentes, mais regarde ça, là, pour exemple, là. Sur le iguana de Morrison and Ledor. Ouais, tout à l'heure, tu crois, c'était sérieux ce que Johnny. Entre Johnny et Mona. Johnny, do you understand? Look at my double vision, you know? I look at you and I look at her at the same time. Right? Et tu prends un moment de rock'n'roll et tu coupes. Et. Johnny est le dream, comment ça s'appelle? Le rêve de couper une tête et put dans le... dans une ice box, dans une cage de ice glacier. Ouais, c'est ça. C'est beau. Ouais, c'est bien dans le box. Le box. Tout à l'heure, là. Between Johnny with Mona, yeah. Ah, it's très sérieux. My cook, c'est comme ça, you know. She's in the cage, the head is cut off. You know, you put in the ice box and you make a song about it. Ouais. Et dans les années 80, quelque chose, hein, tu trouves des détails et c'est ça. C'est la tête coupée. Et aujourd'hui, tu trouves la tête coupée de tout. C'est nouveau, bien. Hein. Ah ouais. Hein? T'as les rats là? Au départ, ils sont là. Là où il y a le serpent. Et puis bon, tu vois, ils s'engagent là. Là, il y a un passage là. Mm. Alors, il y a une espèce de. Bon, il y aura des épreuves là. Et puis là, alors. C'est le labyrinthe. Ouais, ça sera des parois, quoi. Enfin, bon, ils passeront là. Là, le truc simple que j'ai fait, c'est que juste quand ils arrivent là. Tu vois, il sort de truc. Va dans le labyrinthe. Et là, dans le labyrinthe. Okay. Et regarde, celui-là en plus, regarde-le. Il se pose sur la trappe. Ah ouais. Mais sinon, tu veux revenir là. Il était pas obligé, mais celui-là. Ça marche. Et ben ça, s'il va sur la trappe comme ça, tu peux décider de le faire descendre chez le serpent. Tu vois? Hop. Si je tire là-dessus, il tombe. Ah bah, s'il faut que tu tires dessus pour qu'il tombe, ouais. Non, je veux pas qu'il y ait. Je veux que ça soit un circuit fermé, qu'il n'y ait pas de décision extérieure, tu vois. Ah non, ouais, mais bon, c'est moi que ça concerne, je veux dire. C'est quand même moi qui les concerne. Non, c'est mes rats. Ah, c'est un truc scientifique, merde. Il faut que tu peux faire des probabilités, les rats qui tombent pas, etc.
Non mais là, c'est ce qui est plus rigolo, si tu veux, c'est que c'est à toi, enfin à toi, à moi, de dire, tiens, celui-là, ah, il s'est bouffé. Ben, ça, c'est marrant. Ah, si je tire, là, il tombe et le bois, pff, il le prend. Ouais, c'est un piton, quoi. Ouais. C'est que... Voilà, Richard. Si, là-haut. Avec Olivier, non? Ouais. Le mec qui était avec toi l'autre fois, là. Ouais, exact. Okay. C'est toujours la même merde, non? Tu sais pas? Non, il a reçu une nouvelle. Du Nobro, non? Ouais. T'es sûr? Très bien, très bonne. Ouais, tu l'as goûté? Non, pas encore, mais ce qu'on m'a dit. Okay. Tu crois que je peux y aller, là? Vas-y. Je vais aller voir, hein. Okay. Bah, plus tard, hein. Ciao. Salut. Salut, bien. Ah, t'as fini déjà, là? Plus personne. Ouais, c'est fini. Ouais. Et Mona est partie? Elle doit être derrière en train de se changer, je pense. Ok. Et alors, ça marche? Ça marche pas mal. Eh bien. Mona, elle est incroyable. Je vais faire pipi les heures. Vas-y, Natacha. Pas non plus. T'es toujours là, Natacha? Oui, je suis là. Et dis-moi alors, comment c'est de danser avec Aldo? Il a l'air vraiment sensuel. Raconte pas quand il passe sa jambe entre les miennes. Mon Dieu. Oui. Je me mouillais comme une... Vas-y. Ah. Continue. Je trouve pas de terme assez fort. Oh, comme une... Comme une bête. C'est pas bon. Est-ce qu'il fait bien l'amour? J'imagine. S'il fait l'amour comme il danse. Et au fait, j'ai une affaire pour nous deux. Tu sais, Scotty, elle s'est taillée la foufounette en cœur. Oui. Et je la fais travailler. Et je la fais travailler pour des photos. Et ça me rapporte beaucoup d'argent. Et j'ai pensé que tu pouvais te tailler la foufounette en étoile. D'accord. On va faire fortune. T'as des soucis, Pierre? Si. J'aime pas quand t'es triste. Je suis pas triste. Dis-moi que t'es pas triste. Je te dis, je suis pas triste. Mona, c'est la plus belle des jouvencelles et des pucelles de Ivry. Mona, viens dans mes bras, je t'ai gardé du chocolat et des dentelles. Des dentelles. Non, ça rime trop. Vas-y, on suit. Reste pas triste. Ce soir au bar de la Gargoire, qui n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Patatique, t'es tongue, t'es gorge, qui s'endort, qui remont au comptoir du bar. Un russe blanc, qui est noir, qui a la bonne... Attends, pour Monard, on fait un truc qu'on connaît, que tout le monde connaît. Quoi? Tu lances. La peinture à la Waïle, c'est bien d'ici, sa Waïle. Mais c'est bien plus beau, Dali, Daladi, Adali, que la peinture à l'eau. Rappel petit peu, petit péto. Carabine, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine belle de qui c'est faire une me conseille pas dans la désade, elle est admirable. You okay, Mona? Are you okay? Mona. Mona.
Wake up. Wake up. Mona. Mona. Wake up. Are you okay? Are you okay? Hey. Putain, tu vas vraiment faire gaffe à elle. Come. Come. She's okay. Ça va. Okay. Ça va. Yeah. Tu voudrais pas qu'on ait un endroit où on serait que tous les deux? Comment? Et des fois, je comprends pas beaucoup ce que tu fais. Hein. Ouais. C'est Mona, c'est comme ça. Chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose qu'il faut pas que je fasse, boum, je le fais. On pourrait pas partir? Non. Non, je peux pas t'emmener. Mais il faut que je parte seule. Là, je pourrais partir au Brésil, par exemple. Puis là, je sais pas, je ferais du trafic de n'importe quoi, quoi. Une marchandise inconnue qu'on n'a pas encore découvert. Et puis là, quand je serais très riche, immensément riche, tu viendrais me rejoindre. Je viendrais te chercher à la gare sur un cheval. Puis je t'emmènerais dans ma grande propriété avec plein de palmiers et des noix de coco et des centaines de domestiques. Et puis tu serais la reine. La reine de la Cinda. One here. Oh, yeah. Here. Sure. And one there. I'll give you lessons, okay? Mm-hmm. Oui? Oui. Okay. Disappointed in no, you, no, disappointed no, in you. No. Here. Yeah. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je t'ai dit, suis mes doigts. Et après, c'est retour normal. Un retour normal. Quand je fais un solo, tu fais ça. Et le dernier. Le couplet, quoi. Quatre fois, non. Parce que le couplet, c'est ça, ça et ça. Ouais. Ok. Vas-y. Yeah, man. I can do it. Si je me plante, hein, c'est pas grave. Pas de gueulante, normal. Hein, non, mais franchement. I feel hurt, I feel sad, I feel lonely, I feel mad, I feel disappointed. Let me tell you, let that chorus part. I feel hurt, I feel sad, I feel lonely. I feel bad, I feel disappointed in you. Hold a second. Maybe, you know, during the chorus bit, play just open chords instead of, you know, chords that are, you know, like bar chords. Okay? All right. Try it again. Ready. Take it from the chorus. I feel hurt, I feel sad, I feel lonely, I feel bad, I feel disappointed in you. Let me tell you guys something, a little, like, give you a little history lesson on rock and roll. It's like, it's not what you play. Understand, yes. Understand. Yeah, okay. It's not what you play. It's what you don't play in music. You can play like, and you can play just diddle it. I never play 300 notes. Yeah, but that's not what I'm trying to say. I'm just trying to give you a little history, I hope this one is my friend. Okay. Happy friend. I feel lonely. Hey, Pierre. Yo, Pierre. Come here, man. Yo, Mona, darling. Can you ask him if he can get us some proper amplifiers? An ampli. Yes? And some microphone? Microphone. Microphone. Yeah. Yes. Yeah. Okay? When can you get the microphone? Quand tu veux, quand tu peux l'amener. Quand je peux. Yeah? Ouais, tout de suite. Tout de suite. Okay. Thank you. Ah, Ishuraz, one more time. One more time. Okay. Okay. Good, good. Alors, ça va pas, monsieur Pierre? Si. Oui, ça ira mieux avec une prune, hein. Merci. On n'a pas le moral? Si. Si.
Hey, vous savez parler anglais, vous? Comment? Vous savez parler anglais? Ah non. Ah, moi non plus. Moi, Pierre, ouais. Je viens de parler avec Johnny. Tu serais d'accord pour venir habiter avec nous? C'est vrai? Ouais. Super. Ce sera bien, en plus, t'aurais pas payé l'hôtel, comme ça. Ah bah ouais. Hein? Attends. Non, parce que s'il s'arrache de l'hôtel, il faut payer la note. Bah oui, il faudrait que tu trouves des thunes pour payer la note. Attends, moi, je peux pas, là. Non, mais là, ça devient grave. Mais non, c'est pas grave. Il faut que tu trouves des thunes. On va trouver. Pour le Johnny et pour Pierre. Putain, et tu sais que tu es en ce moment, tu m'étonnes, hein? Quoi? Tu es en train de soutenir ça, tu encourages le Star System, enfin. Ah non, pas du tout. Si. Ah non, t'as rien compris. Non, non, franchement. Eh, hey, écoute-moi, quoi? Moi, c'est pas. Les stars, ça m'intéresse pas, c'est le. C'est le type, hein, le bonhomme. Le bonhomme. Et Mona aussi aime bien ce bonhomme-là, tu sais ça aussi? Je me demande, c'est pas un peu pour ça d'ailleurs que tu l'apprécies aussi maintenant, franchement? Hein? On a une star ah non, du rock avec nous! Non, mais le fric que tu places dans l'affaire, à la limite, on te le rend. Mais je le place pas, mon fric, je le file à lui, c'est pas un placement. Si, c'est un placement. On te demande pas, à la limite, on s'en fout que tu nous le prêtes. Je veux dire, si toi. Enfin, je veux dire, tu fais comme tu le sens, mais tu nous le prêtes. Hey, je te jure que c'est comme un plan. Comme je le sens, je le garde, mon fric. Non, mais je veux dire, là, en l'occurrence, c'est un plan super sérieux, quoi. Ouais, c'est une affaire. Vraiment. Je te jure, c'est un plan, il n'y a aucun malaise, quoi. Je veux dire, le Valentine, il va nous rappeler. Là, ce que tu gagnes avec le troisième match, tu gagnes trois fois, le triple. Tu gagnes rien, là. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais... Tu fous de ma gueule? Ok. Mona, elle est vachement mandée ici, tu vois? Ouais. Moi, je peux arranger des petits week-ends avec elle. Ouais. 400, 500 sacs. Comment ça, des week-ends? Attends. Je vais pas te faire un dessin, Pierre. Et tu crois que Mona serait d'accord? Mais elles sont toutes d'accord. Hé, hey, quand si, elles ont bloqué ici, je veux dire... Pierre. Non, franchement, bonne idée. Il s'est scratché. Alors maintenant, commerce de Voda. Ah ouais. Très joli. Quel artiste. Et moi, ce qui me touche beaucoup chez ce peintre, c'est le sens de l'observation, style... Ruskin, vous voyez? Puis alors, regardez bien dans les couleurs, là. Il y a à la fois une opposition entre le colorisme ascendant, la Turner, et puis celui plutôt descendant, la Rembrandt, quand il cherchait les coloris les plus sombres, les teintes les plus profondes. Non? Si je peux me permettre, c'est un petit côté bâclé. En fait, tout ça, c'est très travaillé. On le connaît, enfin, l'artiste. Ouais, il passe Igor. Des heures, Igor, oui. Il passe des heures à faire ça. Et il y a sur, par exemple, attendez. En général, il met au moins deux couches. Ouais, mais il y a beaucoup de couches. Oui. Celui-là, il passe sans arrêt, il travaille sans celui-là, arrêt. Celui-là, trois couches. Ça, oui. Trois couches. Et il les retravaille sans cesse, à l'huile, tout le temps à l'huile. Des fois, il regarde, il remet une petite couche comme ça. Puis de vernis, et puis vas-y, que je te mets du vernis. Ouais. C'est un métier, hein. En plus, toutes les toiles que vous voyez là sont ignifugées. Si vous dites, c'est déjà arrivé, une maison brûle, bon, ben, vous n'avez pas tout perdu, vous retrouvez les toiles. Bah, écoutez, je repasserai parce que. Je sais pas si un jour vous avez des choses intéressantes, différentes en tout cas. Vous m'appelez ou vous me prenez? Avec plaisir. Moi c'est Pierre. Si je puis parler. Marie. Enchanté. Au revoir, bonne journée. À bientôt. Bonjour. Bonjour Pierre. Je vous ai trouvé une cliente. Hein. Écoutez Pierre, je pense ne pas avoir besoin de vous pour vendre mes tableaux. Non, excusez-moi. Non, parce que je suis venu parce que là j'ai trouvé une affaire. Très bonne affaire. J'ai juste besoin d'une petite mise de fond. C'est une affaire sérieuse, cette fois-ci. Écoutez, je pense qu'on a suffisamment éclairci la situation la dernière fois. Non, mais je veux dire, c'est une affaire très sérieuse. Ok, on n'en parle plus. J'ai vraiment autre chose à faire que d'écouter vos balivernes. Non, mais c'est pas des balivernes, je suis sérieux, je veux dire. J'ai juste besoin d'une mise de fond, là, au départ. Ah, ok, vous le prenez comme ça. Non, mais je veux dire, avec ce que je sais, je crois que je peux vous faire quelques ennuis. Alors, il vaudrait mieux qu'on s'arrange gentiment. Pierre, vous évitez de me faire perdre mon temps.
Ok. Nous, on ne parle pas comme ça, hein. Oui, il me fait peur, ton ami. Hein. Oui, je te fais peur, j'espère. Ouais, je te fais peur. Alors, accompagne-moi, c'est pas des rigolos, c'est pas. Allez. Non, mais sans déconner, ça, j'irai pas faire chier. Calme-toi, on s'arrache. Bon, on se barre, on s'en va. Ça va, où le bouffon, là? Moi, je connais la sortie, mais. Ça peut faire mal ce qu'il faut. Bah, là, il tape sur un sac, mais. Oui, bien sûr, ouais. Vas-y, je t'écoute là. Parce que, voilà, j'ai. Au sujet du groupe. Ouais. Et ben, on a trouvé un plan, quoi. J'ai trouvé un type qui veut travailler avec nous. Ah bon? Ouais. Johnny Valentine. C'est bien, non? Il est connu? Ah oui, il est très connu. C'est une star internationale. Allez. Ouais. Et il marche avec nous dans le groupe. Eh ben c'est formidable ça alors. Et ça c'est justement une bonne nouvelle. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait... Alice, à la hauteur de hanche, mets-toi à hauteur de hanche. Attends, excuse-moi une seconde. Je fais une connerie, j'ai regardé la caméra. M'excuse. Mais à la fin, t'as pas bougé. Quand ça s'arrête, il y a un moment important, c'est quand le truc s'arrête, tu bougeais pas. Non. Mets-toi là. Tiens, voilà. Non, bouge pas, tu me gênes pas. Tu te mets là, et là, on essaye autre chose, tu le fais complètement fixe. D'accord. Nice. Vous, ça vous intéresse? Ah ben, je trouve ça très bien, moi. Mais... Ah, que je... Que... Participer. Participer. Ça, sans blague. Ça, il faut voir, il faut qu'on parle. Ouais. Il faut parler, quoi. Je sais pas, tout de suite. On va en parler tout de suite. Ah oui, là. Oui, il faut en parler, il faut pas laisser refroidir. Bon, oui. Dédé! Tu fermeras, hein, je suis parti, là. Écoute, le mieux, tu viens ici quand tu veux, je vais tout le temps là, hein, et puis on en parle. Non, je passe vous voir. Ben voilà. Hein, ouais. D'accord, okay. Allez, à bientôt. Mais c'est bien, hein. Au revoir. That's really nice. Let's see how it works out, you know, I mean, nothing's forever, you know. Let's see how it works out. Hey, Pierre, how are you? Any luck? Hein? Tu as le matériel? Ah, yes. Yeah. Of course. But pour l'ampli, faut attendre, quoi. C'est difficile. Tiens, t'es là. Dis donc, Mona, tu peux accompagner Johnny, il a besoin de quelqu'un pour faire des courses. Ok. Ok. Attends, dis-toi deux secondes. Oui. Pourquoi t'as dit à Johnny qu'on était frère et soeur? Comme ça. Pourquoi ça te déplaît? T'as qu'à lui dire. Écoute, Mona, je crois que c'est mieux qu'on s'aime comme un frère et une sœur, quoi. Comme tu veux. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Ah, moi, je suis rien, je fais que passer, je suis un touriste. Ah, en amour, en musique, je suis rien. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi les femmes sont pas regardantes comme ça. Mais regarde-moi, qu'est-ce que je suis? Tu sais, Johnny, c'est un type authentique, quoi. Il mérite qu'on le soutienne, qu'on l'aide.
So what's happening? What's happening to me? I don't know. Just play along with it. Putain, elle est pas là. Alors? Attendez. Attendez. Merde! Elle a pas laissé la clé. Bon, viens, on s'arrache. Ton problème, tu veux rentrer là-dedans? Bah ouais, évidemment. Moi, je fais rentrer, moi. Attends. Ah ouais. Vous me laissez faire, attendez, je vais vous faire rentrer là-dedans, ça sent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va l'attendre. Et tu crois qu'elle va nous filer des tunnels? Des tunnels. C'est carré ce soir, c'est assuré. Qu'est-ce qui est assuré? Regarde. Alika, un gramme. Ouais. Deux Alika. Ouais. Un gramme chacun. Ok. Tu te démerdes. Je m'en occupe. Tu vas à Belleville. Ouais, je vais là où? Une tonne de 10 dollars. Ok. Allez, vas-y. On t'attend. À tout de suite. Olivier, t'as pas de sens moral de faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Pierre, il a jamais fait ça. Qu'est-ce que tu le laisses faire ça? Il a jamais fait ça. Et alors? Mais il l'a jamais fait, je veux dire, c'est tout. On est là, on reste. Il doit commencer un jour, non? Non, mais moi je. Puis en plus, c'est son boulot, je veux dire. Mais tu sais faire ça mieux que lui. Pourquoi tu le laisses se barrer comme ça? Oui, non, mais. Tu fais chier, merde, allez, arrête. Non, moi, ça me plaît pas du tout. Alors? Et voilà, on a le travail. Super. Ouais. Ah ouais. J'assure à mort, hein. Tiens, une petite ligne. Ok. Ah, vous embêtez pas. Planque-le. Ah, plante ça. Salut, Olivier. Vous êtes rentré comment? Salut. Bonjour. Bah, c'était ouvert, on est rentré, on t'attendait, hein. Ah bon? C'est quoi? Clarence. Comment? Clarence. Et on lui demande des thunes. Oh, bien sûr. Quand vous êtes entré, c'était ouvert? Bah oui, j'allais te le dire. Et vous avez vu personne? Bah non. Vous avez pas vu un sac noir avec des appareils? Non, non. Mais je suis venu présenter mes potes. Bassiste du groupe, Ricky. Bonjour. Et Bonjour. Pierre, manager. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ou quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, on m'a taxé mes appareils. Oh là. Et vous étiez assuré? Bah non, j'étais pas assurée, c'était pas mes appareils, c'était ceux d'un copain. Oh. Ouais, j'ai un petit remontant pour toi si tu veux. C'est vrai, c'est quoi? J'ai un petit peu d'héros, t'en veux? Ouais. Ouais? Hmm? Pas trop, hein. Ouais, ouais, tiens. Vas-y. Alors? Bah c'est bien. Filet du blanc, c'est pas vrai ça. Comment? T'es vraiment un connard, toi. T'es sûr? T'es vraiment un attends, connard. Attends, attends, on le retrouve. Excusez-moi. Non, vraiment. Viens, viens. Putain, il était là tout à l'heure. Tu le reconnais? Ah ouais, je devais le reconnaître. C'est quoi un blanc? C'était un type un peu plus grand que moi. Comment il était? Blond, moi. J'ai pas bien vu. C'est un arabe? Non. Non, on va faire l'expédition punitive. C'est malin ça. Si on sait pas qui c'est, qui est-ce que tu veux punir? Non, mais t'inquiète pas, il y en a qui méritent d'être punis. Ok. Là. Le type il te connaît. Là. Ouais. Sûr? Ouais. Bah alors, et on rentre? Non, mais laisse tomber, j'ai déjà expliqué. Okay, ok, non, parce que. Et après, c'est à toi, Ricky. Ouais. Ok, c'est compris? Mm-hmm. C'est clair? Bon, on y va. Attends, il faut qu'il change. Je le connais, l'autre. Vas-y, dépêche.
C'est comme ça. Non, je te reconnais là. Tire, de son côté. Ouais, super. C'est bon, hein. Ouais. Allez, non, laisse. Si, attends, j'ai une super pour les. Spécialement pour les grandes occasions. Bon, c'est bon. Ouais, ok. Attends, ça. Arrête de mort. Super. Hé, Ricky, calme. Hein? Non, mais tout le monde reste calme, super calme. Mais viens là, on fait sa peau. Qui c'est? C'est Olive. Salut. Ah, et lui, c'est qui? C'est mon pote Pierre, il n'y a aucun problème. Ouais. Merci. On veut combien? Un mug. Les thunes? Ouais, bien sûr. Olive, j'y vais. Tu m'attends en bas? Attends. Reste calme, tout le monde reste calme. Allez, tiens. Touche pas ça, toi, t'es braqué. Tout le monde est braqué ici. Reste bien, tout ce que tu poses ça, toi, tu poses ça. Hein, et vous allez tous contre nous. Allez. Oh. C'est bien chez vous? Hein? C'est super, même. C'est formidable. Il s'agit de rester calme, de ne jamais s'énerver. Sinon, ça pourrait être grave. Sinon, ça pourrait être la boucherie. T'en as. On ne bouge pas, on attend mon signal. Viens. Toujours, toujours très calme. On n'a pas le droit de s'énerver. Entre. Viens. T'es venu voir combien? Pour 20 queues. Ah oui? Bah tu poses tes 20 queues, y'a pas de problème, le commerce reprend, la maison n'a jamais cessé de fonctionner. Vas-y. Voilà, c'est bien. T'attends quoi là? Qu'est-ce que je fais? Je me... Ah bah tu te casses bien sûr, ah bah oui. Oui, c'est ça, vas-y. Je veux plus te voir. Voilà. Petit pourboire. Mais moi je m'en vais aussi alors, hein. Je vous laisse là. On bouge pas quand je m'en vais, on reste bien là. On reste calme. Ah ouais, non. Ça fait pas tellement lourd, ça, je crois, non? T'es fou, c'est super. Ouais. Hop. Vas-y. Alors ça, c'est pour dealer. Ça, c'est pour nous. Non. Et tu fais des deux par équipe. Non, attends. Non, je laisse faire ça, parce que moi, c'est pas mon... C'est bon, là. Voilà. Oh, ça, on le garde pour nous, ça, on le dit. Quoi? Non, ça, si. Ça c'est pour nous, ça c'est pour eux. Mais non. Alors, pas la pharmacie. Écoute, non, si on veut faire des thunes, faut être sérieux. Non. Si, pour cette semaine. Voilà, bon. Tiens. Voilà. Plus. Voilà. Chut.
Et on a de la visite au fond. Salut Aziz. Hein? Ça va, mais t'as pas l'air d'aller, toi. Non, ça va pas trop. Tiens, écoute. Hein. À toi. Ah, t'as pas une petite cuillère, hein? Tu veux une petite cuillère, une petite cuillère? Non, déconnez, la chope pas. Hein. Non, mais attends, il faut que je trouve mon serpent, moi. Attends. Non, mais il est là-bas, derrière. Super. Non, mais la chope pas. La chope pas. Non, la chope pas, c'est du brune blanc, faut la chauffer, faut du citron. Hein. Va à l'épicerie. J'ai ah, l'autre. Gaëtan. 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 Toi doucement. Ça va, dur, ça va, non, ça va. Arrête, ça va non. Bon, c'est bon. Arrête, tiens, fouille le bas. Ouais. Mais putain, non, mais ça, touche pas à ça, ça, hein, ça c'est un truc. Arrête, c'est un truc. Ça va écraser. Je tiens mort. Arrête, on lui ramènera ton père. Sois pas lourd. Je vais en prendre soin. Bon, allez, tu le gardes. Tu restes là. Tu t'en occupes. Bouge pas de là. On y va. Allez, viens. Fais pas le mariole, hein. Pas, là. Attends, bouge pas, vieux, bouge surtout pas, ça va, ils arrivent. Les polices secours, les pompiers, ils vont tous venir, t'inquiète pas. Hein? Bouge pas, ça va aller, ils arrivent. Ouais. Hein, vieux? Ouais. Et vous avez pas vu les polices secours? Putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça va, elle est pas trop mauvaise? Ouais, terrible. Elle est en bon état? Allez, t'inquiète pas. Je vais la reprendre. Ouais, si ça garde là, ouais. Allez, pense à autre chose. Et puis. Ils vont arriver, je te dis. On reste en compte? Tu veux conférer de l'ambiance? Ah oui, on sera deux pour tout ce bordel, si tu veux. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Salut. Ça va. Tu me le sors le... pour lui? Ouais. Bon, tiens, tu as enlevé ton machin? Non, tu vois, il m'aide pour rentrer dans le même jeu de frais. Oui, bah on aurait gagné à tout dans l'arrêt de travail. Alors. On va lui faire le traitement spécial, lui, c'est un coriace, lui, là. Quand tu me le laisses. Ouais. Viens. T'as vu ce que tu me ramènes là? Oui, ça, effectivement, c'est rien. Ça. Alors, bah, je ramène ce que je trouve. Oui, moi, d'accord, ce qu'il y a, ramène ce que tu trouves. Et nous, on fait quoi alors? Bah, tu fais ce que tu fais. Tu fais rien, comme d'habitude. Quoi. Bah, parce que c'est toi qui fais tout, peut-être. Moi, je fais ce que je peux, tu vois. Oui, c'est ça, bah, écoute, on va parler chinois, tu vois. D'accord, les chinois. Bah, va t'occuper des formes. Ouais, je vais m'occuper. On se voit tout à l'heure. C'est bon, vrai, celui-là, c'est incroyable. Je sais absolument pas ce que je fais. Bon, ça va être cool, mec. Oui, enfin, bosser, si on peut dire. Quelquefois, je me demande qui rentre. Ah, t'es étonnant. Le seul truc que je vais te dire, c'est qu'il fait les bonnes photos. Ah ouais? Mais c'est mon fils, ça. C'est récent, ça. Tu savais qu'il prenait de la dope? Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, dis donc, ça fait... Tu sais ce que c'est, lui, il est en plein dedans. Tu vois, c'est ça. Alors, vous êtes toujours... Voilà. Quoi? Parce qu'il s'agit non, de nous. Comme... Il s'agit de toi. Écoute, on se voit il y a deux heures, tu peux pas me dire qu'il y a un problème avec mon fils, tu me fais un numéro de photo de prestigitateur. Il y a merde pas de numéro, il y a ton fils qui est là et t'aurais pu lui parler, et puis c'est tout. Tu vas t'en occuper? Ah oui, écoute, là, faut que tu m'aides, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux pas lui flanquer la trouille ou... Faut que tu m'aides, là. Faut que tu me donnes un coup de main, là, c'est le moment ou jamais, là. Bon, tu leur fous le trac, leur foutre le trac, tu parles. Tu veux que ça devienne une affaire de flic? Il doit avoir besoin de toi, il faut que tu l'aides, mon vieux. Il faut que tu l'aides. Bonjour. Olivier, il est sorti prendre l'air, là, il va revenir. Il y a une trompette dans le groupe, maintenant? Ah non, on déconne, on faisait un break. Bah, asseyez-vous. Je vous remercie. Non, vous voulez non, quelque chose? Ça va. Bon. Alors? Je voudrais vous montrer quelque chose. Ah, voilà, c'est ce livre. Ouais, c'est Olivier, ouais.
Ouais. Et celui-là, vous le connaissez? Celui qui est à côté, là. Ouais, ouais. C'est le même. Ouais. Ouais, c'est un musicien de studio. Enfin, ah ouais, c'est celui qui fait les cuivres. On voit ton cuivre. Mmh. Et là, il fait les cuivres? Non. Mmh. Non. Vous voyez de temps en temps? Ouais, parfois. Alors, si j'ai bien compris, c'est normal, on parle de la même chose. Hein? On est musicien, donc. Tout le monde en prend? Vous parlez de la poudre, quoi. Bah, c'est-à-dire que. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de. Chacun fait son truc. Enfin, tout le monde n'en prend pas. Moi, après, j'en prends pas. Moi, j'ai mis les lunettes, bon, c'est un truc, ça me sécurise. Bon, je veux dire, avec ça, je suis pas rien. C'est de la protection, quoi. Ouais. Protection un petit peu dangereuse, non? Oh non, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Faut pas en abuser, c'est tout, mais je veux dire, les tas de gens, par exemple la voiture, il y a des tas de gens qui se tuent. Il y a mille moyens de se ruiner la santé, au moins autant. Faut pas être amateur. Ils se mettent à faire du footing, ouais. Par exemple, de façon frénétique. Et ben, ils se créent les mêmes malaises que les drogués. Le manque, l'accoutumance, exactement pareil. Bah bon, on a lu un truc, ils expliquent ça, et ça développe un... Il y a un truc, une glande... C'est des endomorphes, une glande endomorphisme. Dans le bulbe rachidien, là, qui... Mm. Ça dégage de l'endomorphine, c'est ça? Je veux dire, au moins, on a des trucs comme ça dans la tête. Bon, il se trouve que bon, la cocaïne, l'héroïne, ça, c'est des trucs aujourd'hui qui sont interdits. Mais il y a des cultures où c'est tout à fait admis. Je veux dire, le chocolat, aujourd'hui, tout vente libre, mais bon... Le chocolat? Mona, il est accro de chocolat, oui. Pour tout, c'est les abus, on dit. Enfin, nous, c'est les abus qui sont dangereux. Là, bon, vous rongez les ongles, là, depuis 2 minutes. Ben, vous bousillez la santé. Vous bouffez toutes les bactéries qui sont dessous. Regardez sous vos ongles, ils sont tout noirs. Hein. Bon, ben, là-dessous, c'est le millier de bactéries que vous bouffez tous les jours. Regardez. Hein. Bon. Ça chiffre par millions. Tous les jours. Ah, il y en a un paquet, ouais. Non, mais on les voit pas. Avec la poudre, on la voit, effectivement. Quoi. La poudre est blanche. La poudre est blanche en plus. Il va arriver. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien de ça. Regarde. Il est pas commode, t'as vu, il savait. Ok, mais pourquoi? Et qu'est-ce que t'avais besoin de brancher sur l'histoire? Il avait compris, dès le début, mais il non, est arrivé. On voyait rien sur non, la photo. On trouve autre chose, laisse tomber. Bah ouais, c'est ça, c'est à moi de trouver autre chose. Alors, allez, s'il te plaît. Quoi? Non, tu me parles pas comme ça, je veux dire, tu sais qu'il faut pas me parler comme ça. Hey. Non, sans déconner. Alors, hein, tu baisses la ton, puis. Ok, ok. Eh merde. Pierre! Ricky, venez voir. Alors, je suis fiché, les mecs. Non, c'est j'ai vu les photos, je suis fiché. Pas vrai. Ouais. Mais tout le monde le sait que t'es fiché, mon vieux. C'est les photos de ton père, là? Ouais, je les ai vues. Eh, mais si ton père a eu les photos, ça veut dire qu'il est copain avec les flics. Puis on a rien à craindre. Non, mais il est peut-être copain avec les flics, mais moi, je suis plus du tout bien avec lui, tu vois. Ah, oh, mais calme-toi. On est tous virés. Allô? Virés. Non, non. Et t'as dit... Ça te plaît? Une idée de Johnny. Ça va? Pas l'air. Pas l'air. Quoi? À toi aussi, ça te fait rire? Non. Bien comme ça, on rentre. On va aller mieux comme ça. Hein. Yeah.
Mais il y a la mer là-bas? Oui, c'est, il y a de très belles plages, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut. Vous voulez essayer? Yes. Yeah. Yes. Ok. Let's go. But 8 dates. We start with Tokyo and we end with Tokyo. Okay? I mean, it's just great to get out of this country. I mean, nobody knows what the fuck they're doing. But what happened here? Pierre did not take care of you? Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Yeah, I mean, come on. Rien spécial? Christopher, I mean, you know, there's a Pierre in every country we play in. Watching hurt me, eh? Yeah. Hey, listen, I got a present for you. Oh, great. Thank you, Johnny. That's nice. Try it on. Ah, looks good. C'est bon. C'est bien, non? Where's Pierre? I have one for him, too. Pierre! Pierre! Viens voir. Johnny a des cadeaux pour nous. Yeah, c'est pour for you. Oh, c'est possible. Il veut bien? Non. Il me plaît pas, j'aime pas les chapeaux, j'aime pas ses cadeaux à lui. Et là, vous commencez, je suis fatigué, tu vois. Et j'ai plus envie de jouer. Alors toi, déjà, le clown, tu t'arraches. Ok, je veux plus te voir. Tu rips maintenant. Je veux plus te voir ici. Tu comprends? Non, je déconne pas. J'ai l'air de déconner là? Ah, ici. Non, sans blague. Est-ce que j'ai l'air de déconner là? Sans blague. Tu veux pas comme je déconne? La pute et le joueur de service, tu t'arraches. Mona. Почему ты так красная? Je t'ai toujours dit, c'est le rouge qui te va pas. T'aurais qu'à dire ça au flic quand il va venir. Bah oui. Ah, ça aurait été une belle mort. Ouais, trop romantique. Ah bon, ouais. Oui, un peu tiré par les cheveux. Non, plus déjà vu une fois. Bon, et on sait pas ce qui va se passer, mais ça risque d'être plus marrant. Tu crois? De toute façon, t'as plus rien à perdre. Non, mais ça va marcher comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes, Paul. Hein? Paul des roulettes, président de la République, descendu du train. C'est jamais. C'est... Ouais. Hé, hey, Pierre. Quoi? Hé, hey, on est parti, là, ça y est. On y est, on est parti.
Alors on fait ce qu'on a décidé, on reste calme et ça se passe bien. Je suis calme. Ouais, est-ce que t'as vu que j'étais pas calme? Non, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Non, moi je veux rentrer maintenant, genre. Mais non, mais hey, comme Mona te voit, c'est évident que ça va lui faire plaisir. J'ai retrouvé une crainte à avoir. Mais Mona est en train de se faire niquer par le naze là-bas. Hey, mais Johnny, il assure rien. Non, mais franchement. Ah, des conneries. Mais non, mais tu délires, ouais, ça. Ouais, tu dis ça pour nous faire non. plaisir. Non, mais t'as... Non, mais... Arrête. Ha ha ha!